Yo, what's up, c'est Dilo les amis, j'espère que vous allez bien. Ouh, je suis un peu en stress, depuis tout à l'heure ma jambe elle bouge toute seule. On va se faire un petit let's play, en tout cas un petit gameplay les gars sur Outlast 2. Le jeu vient juste de sortir et c'est un jeu qui fait flipper, donc si t'as le cœur fragile, vraiment ne regarde pas cette vidéo. J'ai le cœur fragile et pourtant je me lance dans cette putain d'aventure. Donc voilà les gars, j'espère que vous allez kiffer. Je me sens pas trop chaud, tu vois, à faire la vidéo depuis... Depuis le début, je me tâtais de ouf. Pour te dire, le jeu vidéo qui m'a fait le plus flipper, je crois que c'est Resident Evil 4 sur PlayStation 2, quand il y a le régénérateur dans l'hôpital. Attends, j'ai reçu un snap d'un pote. C'est parti pour la flip. Il joue aussi à Outlast 2 en même temps que moi. Sauf que moi je vais record là, mais c'est chaud. Mais je pense, je vais allumer toutes les lumières, je pense. Pour être... Ah ouais. Ah ouais, là c'est mieux. Oh, c'est mieux de ouf. Oh putain les gars. Bon, je vais pas vous mytho. Si genre je vois que ça fait trop flipper, j'arrête direct. La vie de ma mère, au moins y a pas de pitié ou tu vois ce que je veux dire. Bon allez, on se retrouve dans le jeu les gars, let's go. Oh non, 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 mettez pas des sons chelous comme ça. Mettez pas des sons chelous. Je crois que j'avais déjà fait normal. Y'a pas de. Contient des scènes de violence intense et de carnage, des situations sexuelles explicites et un langage grossier, amusez-vous bien. Tout ce qui est haram. Ouais, ça commence bien. Lynn Langerman est une journaliste d'investigation à la recherche de réponses concernant le meurtre d'une femme enceinte dans les circonstances impossibles dans une région rurale d'Arizona. Vous êtes Blake Langerman, son mari assistant et caméraman. Enregistrez tout ce que vous voyez, ni elle ni vous n'êtes des combattants. Pour traverser les horreurs qui vous attendent dans le désert, vos seuls choix sont de courir, vous cacher ou mourir. À la recherche de réponses concernant le meurtre d'une femme enceinte. Donc le mec... Allez, il m'a gavé. Non mais je vais mettre mes lunettes déjà. Ah, je suis bien là. Continuez. Et le Seigneur dit, tu n'as pas tranché ton œil, mais une écaille que tu pensais être un œil. Tu peux enfin voir la vérité. Knuff 8.2.7. S'il te plaît, Blake. Où es-tu? J'ai peur. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un truc qui va me faire sursauter, la vie de ma mère. Il arrive. Oh, la sensibilité, elle est trop grande. Tu t'appelles le nom d'une autre femme. Quoi? Dans ton rêve, Jessica, je crois. Tu connais une Jessica? Oh, non. Je veux dire, je rêvais de Jessica Gray, quand nous étions gamins. Ah ouais? Ça fait des années que j'ai pas pensé à elle. Hé, hey, nous passons au-dessus de terre de réserve. Vous m'avez demandé de chercher une sortie d'usine? Ouais. On peut chercher, mais il n'y a rien ici. C'est vrai que cet endroit a l'air désert. Avec tout ce mercure que cette femme a dans le sang, elle a dû vivre des années près d'une usine qui rejetait des tonnes de déchets toxiques. Si vous le dites, c'est vous qui payez. On devrait enregistrer l'intro ici. Ça aidera le montage. Ok. J'arrive pas à changer le diaphragme avec ce machin. Le son sera merdique. On va devoir... Putain, mais qu'est-ce que... Tranquille, merde. Tranquille, ça va. Ça va, tranquille. On est bien, on est bien, les gars. La haine. Que d'émotion. Là, je suis trop dans le jeu. Max de paysage derrière moi. Je suis trop dans le jeu. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Piano panier, piano panier, piano panier. Piano panier, piano panier, piano panier. Avasopai. Avasopai, avasopai. Ok. Ok. Ici Lynn Langerman pour newstomorrow.net. Nous volons au-dessus de la réserve indienne d'Avasopai dans le centre de l'Arizona. À la recherche des origines de Jane Doe, victime hey, de Lynn, tu devrais pas parler de meurtre. On ne sait pas ce qui s'est passé. On dirait pas des petits spermatozoïdes là en bas à gauche. Ah, c'est ce que dit le rapport de police. On pourrait placer cet extrait non. Dans les interviews du médecin. On okay. Met ça dans les 30 premières minutes et on parle de meurtre aussi. Il faut mentionner le fœtus, comment il... Attends, laisse-moi essayer une version qui pourra servir d'intro pour tout le monde. Dis-moi quand t'es prêt. C'est bon. Il y a 2 semaines, une jeune femme a été retrouvée déambulant seule, pieds nus et enceinte, sur un tronçon de route désert à
Ta gueule. Ouh, les frissons, tu vois les frissons. La croix à l'envers, c'est le chétan. Direct. Tu vois une croix à l'envers en plus en flamme, double chétan, frère. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, frère. Tu commences pas là. Tu peux pas commencer là, t'étais dans un hélico. Non, je peux pas jouer. La vie de ma mère, je peux pas jouer. Non, je peux pas jouer sur la vie de ma mère, je peux pas jouer. F. Attends, la vie de ma mère, attends. Non, la vie de... Je peux pas jouer à ce jeu. Je peux pas jouer à ce jeu. Il y a une croix de Jésus, frère. Arrête, non, je peux pas. La vie de ma mère, je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas jouer, je vais appeler une de mes sœurs pour qu'elle joue à ma place. Allez, ma sœur veut pas jouer. Je tenais à vous dire qu'il est 3h34 du matin. Et que je peux pas jouer à ce jeu. Oh putain! Je suis un ouf. C'est ça qui a touché la table. J'ai trop chaud, je transpire de dingue, je peux pas jouer les gars. La vie de ma daronne. En fait, faut que... J'ai reçu un message. Alors, t'as joué. Je suis en train. Mais je peux pas. Je flippe trop. La vie de ma maman. Je suis en vidéo là. Je te laisse. Non, je pense que la vidéo va durer trop longtemps, les gars. Et je peux pas de. Les jeux de ma mère, les gars, je vous parle sérieusement. C'est pas un jeu pour moi. Les jeux qui font flipper, j'ai horreur. Et là, j'ai des frissons de partout. J'ai chaud. Je vais faire jouer ma daronne. Attends. Peut-être que si je me mets de loin. Arrête. Il y a un mec là-bas. Attends. Trop de sensibilité. Sensibilité du regard. Revenir au jeu. Je peux m'accroupir ou pas? Je peux pas m'accroupir, je peux rien faire. J'ai pas de caméra. Il y a un casier qui va s'ouvrir. Je peux pas regarder derrière moi. Attends, putain, je passe pour une grosse tapette. Il y a un truc, je le sens. À gauche, droite, s'il vous plaît, pas derrière. Non, côté, gauche, droite, casier, exit, pas de casier. Arrêtez, le mec a disparu. Il y a une porte, c'est bon. Non, si je me retourne. Non, je peux pas me retourner. Non, je peux pas me retourner. Je me retourne, je me fais baiser. Je peux pas. Ah, je me suis craché dessus et tout, laisse tomber. Regarde, t'es mort. Non, les gars, franchement, je vais arrêter la vidéo. Oh, je transpire de dingue. Non, les gars, je peux pas. Je vais me retourner, il va avoir une meuf ou un mec, il va m'attraper, il va me démonter. Laisse tomber, je peux pas, là je fais que parler, je perds du temps, je voulais faire une belle vidéo rapide, genre tout, je peux pas. Franchement les gars, c'est pas contre vous, c'est pas mon genre de jeu, voilà, je peux pas. Ou au pire, je vais faire jouer mon autre sœur, je vais pas la réveiller, elle travaille, je peux pas. Attends, je me retourne vite fait. Je veux pas. Je me retourne, mais de loin, la vie de ma mère, de loin.
Attends. T'as entendu, la vie de ma mère t'as entendu. J'enlève le casque. Non, attends, j'enlève le casque. Pour pas que j'ai le son dans les oreilles, au moins je peux pas faire un truc de ouf. Attends, revenir au jeu. Nous sommes pas seuls. Putain, il y avait un truc rouge de ouf. Oh laisse tomber ça daronne. Ah, je suis désolé les gars, ouais. Ok. Vous avez grave cru Gilos, nanana, blablabla. Je suis une tapette, voilà, je tiens à te le dire. Je suis une tapette, j'assume, je m'en balèque. Appuyez plusieurs reprises. Là c'est bon, là on est dans le noir, on est dehors. J'aurais dû fermer la porte de ma chambre à clé. Appuyez à plusieurs reprises. Ok. On est bien. Prends ta caméra. Le mec il pense qu'à sa caméra, il s'en bat les frères. Elle ou pas, y'a pas de sa femme ou quoi. Merde. On a une sauvegarde, je sais pas. Objectif, trouver Lynn. V. Attends, mais je... Oh, c'est mon ombre. Mais je peux pas sauter de là. T'es d'accord avec moi? C'est mon ombre, mais la sensibilité elle est trop grande. Mais t'entends le son de la meuf? Non, la sensibilité elle est trop grande du regard. Config la sensibilité du regard. Voilà, c'est mieux. Attends, y a pas des quemés là? Un truc dans le genre? Je me suis baisé le genou, les gars, quand j'étais au sol. Arrête de faire le con, putain, il met la haine. Les événements importants doivent être enregistrés. Appuyez sur pour lever votre caméscope. Lorsque le signe clignote, cela signifie que vous pointez correctement jusqu'à ce que le cercle rouge soit rempli pour l'enregistrer complètement. Ça va marcher les gars. Tac. Ok. Nice. Regardez les vidéos enregistrées pour en savoir plus sur les événements et les objectifs. Appuyez sur Tab pour accéder au menu de votre caméscope. Ok. Sélection, zoom. Tu peux zoomer. Là, tu peux voir genre l'image que t'as filmée. Elle était pas là. Le corps de Lee n'était pas dans l'épave. Elle est peut-être encore en vie. Là, écoute, la meuf en train de chanter, elle commence à me casser la tête. Attendez, parce que j'ai mis l'horloge, ça fait 16 minutes 34 que je recorde. Ok, je me tire. Elle en se barre. Oh, merde! Seigneur! Merde, je suis en train de me brûler. Ta gueule. T'es sérieux? Non, les gars, écoutez ce qu'on va faire. On va se faire un gameplay d'Overwatch.
Les gars, je vous jure sur la vie de ma mère, c'est pas du cinéma. Vraiment, croyez-moi, c'est pas du cinéma, vraiment. Il y a un truc qui me fait flipper de gueudin, j'arrête. Voilà, c'est simple. C'est simple. Là, il y a une lueur de fizzed up. Il y a des trucs chelous. J'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie. Comme par hasard, j'ai plus de batterie. Je peux courir avec la caméra ou pas? Ouais. Oh, bordel! Merde! Non, c'est pas écrasé. C'est de la merde. Lid. J'ai pas de batterie. Ah, je peux recharger. Je recharge. Ah, j'ai des piles. Vous pouvez regarder derrière. Ferme ta gueule. Dis pas que je peux faire alt gauche pour regarder derrière. Je peux pas regarder derrière. Cours, glisse, tombe. Oui, tombe. Loin d'ici. Une ville. Dieu merci. Je pensais qu'on était à des kilomètres de tout. Oh, pas besoin de la vision nocturne là. C'est quoi qui m'a fait mal? C'est un cactus? Putain! C'est un cactus les gars! Je transpire de fou. Je transpire de gueudin. Appuyez, espace, tout en vous dirigeant vers lui. Ouh! Ah, d'un obstacle! Écoutez, sur le Coran de la Sainte Bible de Croix de Jérusalem. Il y a un truc chelou. Il y a un mec qui va sortir avec une machette, une tronçonneuse. Chez Ab. Vas-y, tue-moi si t'as envie, mais casse ta mère de là. F. Vision nocturne, non. Je me tire. Je passe, messieurs. Non. Faut pas que j'aille dedans. Non. Non. F. Non. Il y a des trucs qui craquent. Cours, je m'en bats les couilles. Cours. Je sais pas. Oui. Pardon. Pardon. Quoi? Oh. Oh non. Je sais pas quoi faire, les gars. Je suis en panique. J'entends un mec qui court. Cours. Il y a un mec, Bah les couilles. C'est dégueu. C'est une plante. Non, c'est bon. Allez. Sauvegarder et quitter. Je suis désolé, les gars, non, quittez sa mère. Bon, voilà, les gens, je suis vraiment désolé, j'aurais voulu continuer, mais c'est plus fort que moi. Non, vraiment, c'est un truc, je comprends, ceux qui kiffent les jeux, qui font flipper, qui font sursauter, ils ont rien compris à la vie. Je pense que j'ai des frissons dans le dos, je transpire, je laisse tomber, j'ai le dos trempé, je suis pas bien, la vie de ma mère, je suis pas bien, je vous le dis, je vous le répète encore une fois,
Théma, les frissons. Tu vois la cam ou pas? Des poils, ils s'irisent, j'ai la chair de poule. Oh, oh laisse tomber. Théma, la chair de poule. La chair de poule, les frissons, les poils, ils sont hérissés et tout. Ah, laisse tomber. Donc voilà, j'espère que vous avez pas kiffé la vidéo. Comme ça, au moins, je fais plus d'autres vidéos. Mettez-moi même des pouces rouges. Non, sérieux, mettez-moi des pouces bleus, les gars. Parce que je vous ai fait une petite vidéo. Franchement, j'ai dépassé. C'est pas des peurs, mais j'ai dépassé les 5 sens, les gars. Là. C'était vraiment trop, trop dur. Pour moi. Sérieux, c'est. Non, c'est. Je sais pas comment vous faites pour kiffer ce genre de jeu. En fait, faut jouer entre potes, tu vois. Mais je pense que la prochaine vidéo. Non. Ma sœur, elle va jouer au jeu. La vie de ma mère, une de mes sœurs, elle va jouer au jeu. En tout cas, voilà, c'était Dilos. Je suis vraiment désolé, j'ai même pas dû faire 5 minutes du jeu. Mais voilà, je m'en bats les couilles. Vraiment, je vous le dis clairement, la vérité, c'est mort. En tout cas, voilà, je vous fais des bisous, les gars. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et les pouces bleus, le partage, les soutiens, ça fait plaisir. Prenez soin de vous. Ciao! Maybe. You should pull the fucking trigger. Ooh,